Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils sur ce que recherchent les agences de mannequins. En effet, il est frustrant de postuler en agence ou même te rendre dans un casting pour entrer dans une agence, mais tu ne sais pas vraiment ce que recherchent ces agences. Tu rentres chez toi, tu entends un retour, mais même en regardant ton téléphone tous les jours, tu ne reçois pas de réponse et tu es déçu car tu ne sais pas pourquoi. Les conseils que je vais te donner dans cette vidéo vont te permettre de mieux te préparer avant chaque rendez-vous important. Les agences sont beaucoup occupées à trouver des jobs pour les mannequins qu'elles ont ou à travailler sur leurs tâches administratives, les contrats, la comptabilité, etc. C'est grâce aux contrats que les agences gagnent de l'argent. Les agences reçoivent des tonnes de candidatures chaque semaine via leur site internet ou par mail. Donc tu l'as bien compris, ils ne peuvent pas répondre à tout le monde. Donc tu envoies toi aussi ta candidature et si ton profil les intéresse, ils vont te fixer un rendez-vous dans leur bureau ou en appel visio. Lorsque tu te déplaces, ils te poseront quelques questions pour connaître les raisons pour lesquelles tu veux devenir mannequin, des questions également sur ta vie. Ils veulent s'assurer que tu es à l'aise, dynamique. Ils te feront souvent remplir une fiche de renseignement avec tes mensurations, ton adresse, ton numéro, mais aussi des compétences particulières que tu peux avoir comme la danse, le chant, le dessin, le sport de haut niveau ou autre. Ils vont aussi prendre tes mensurations au cas où tu rajouterais quelques centimètres à ta taille ou que tu enlèverais quelques centimètres de ton tour de taille ou de hanche. Un jour, lorsque je recrutais des filles en tant qu'agent, une fille avait postulé et dans sa candidature, il y avait écrit qu'elle faisait 1m75. Je lui ai donc donné rendez-vous et lorsqu'elle s'est présentée, j'ai bien vu qu'elle ne faisait pas 1m75, mais je n'ai rien dit. Au moment de prendre le mètre ruban pour la mesurer, elle a commencé à paniquer, à transpirer. J'ai vu qu'elle était très mal à l'aise, elle tremblait, mais je n'ai rien dit. Je me suis rapproché d'elle pour prendre sa taille. Elle faisait en fait 1m70. Elle avait rajouté 5 cm. Je lui ai dit que je la tiendrais informée et je l'ai laissé partir. Je ne lui ai pas donné de réponse et je pense qu'elle sait pourquoi. Après réflexion, je pense que j'aurais dû en envoyer un mail plus tard en lui expliquant pourquoi il ne faut pas mentir sur sa taille et j'aurais rappelé l'état dans lequel elle était à cause de ça. Mais sincèrement, après cette expérience, je ne pense pas qu'elle recommencera à mentir sur sa taille. Et puis même si tu mens et que ça passe avec une agence car elle te signe à distance, le jour où tu te rendras chez un client et qu'il s'aperçoit que tu ne fais pas la taille à laquelle l'agence t'a présenté, il risque de te virer sur le champ après avoir demandé des explications à l'agence. Et ça, même si tu te retrouves à l'autre bout du monde. Revenons sur la rencontre avec l'agence. Après les mensurations, ils te demanderont sûrement ton book. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un book papier, je te conseille d'avoir une tablette dans laquelle tu as un dossier où tu ranges correctement tes photos. Comme ça, le format est grand et c'est toujours mieux de voir les photos en grand. Mais si tu n'as pas de tablette, tu pourras montrer avec ton téléphone, même si le format est plus petit. Un jour, j'accompagnais une de mes mannequins dans un rendez-vous avec une agence. La bookeuse demande le book de ma mannequin, elle sort son téléphone mais n'avait pas classé les photos correctement. Du coup, elle montrait des photos professionnelles, d'autres photos non professionnelles, des photos d'elle et son chat, des photos d'elle au restaurant. Enfin, tu l'as compris, ce n'était pas pro du tout. J'étais gêné car je lui avais dit, mais elle ne l'avait pas fait correctement. Du coup, la bookeuse a coupé court en disant « Ok, c'est bon », car elle devait être saoulée des photos qui ne correspondaient pas. Et ma mannequin n'a pas été recrutée dans cette agence. D'où l'importance d'avoir ses photos triées. Parfois, les agences envoient des photos à quelques clients pour savoir si ton profil peut les intéresser. Si les clients répondent favorablement, ils te recruteront. J'avais envoyé le profil d'une fille comme ça à une agence en Angleterre, à Manchester plus précisément. J'avais envoyé la candidature le mardi. Le jeudi, l'agence m'a dit qu'Asos et Miss Guided était intéressée et voulait la voir le lundi, soit 4 jours après. Mais la mannequin était en France et n'avait pas la nationalité française. Du coup, il lui fallait un visa pour se rendre en Angleterre, comme vous savez que maintenant il faut un visa pour se rendre en Angleterre, ce qui aurait été impossible à faire en 4 jours. Si tu es mannequin qui vise la haute couture, c'est bien de postuler quelques semaines avant la Fashion Week, car à ce moment-là, les agences recrutent beaucoup de modèles pour les présenter à leurs clients. Certains mannequins peuvent faire 2 ou 3 défilés la même journée durant la Fashion Week. Pour les autres types de mannequinat, avec l'essor de la vente de vêtements en ligne, la demande de mannequins par les marques peut se faire durant toute l'année. Il n'y a pas de période spécifique. Sachant qu'en été, tu pourras faire une shoot pour une collection d'hiver, pour une marque et inversement. En hiver, tu pourras tourner pour des vêtements d'été. Les agences recherchent aussi des filles qui sont présentes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc il est très important d'avoir un compte professionnel avec des très belles photos. Parfois, les filles me contactent en DM sur Instagram et me disent qu'elles veulent être mannequins. Leur nom Instagram est illisible, leur photo de profil est un manga, elles n'ont aucune photo ou alors leur compte est en privé. En général, je leur réponds que je ne sais même pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Et je leur dis que le mannequinat est un métier d'image, donc il faut se montrer. D'ailleurs, si tu veux savoir en détail comment faire pour signer en agence, clique sur le lien qui se trouve en haut de l'écran pour visionner la vidéo en question. J'espère que la vidéo t'a plu et maintenant tu sais exactement ce que recherchent les agences de mannequins. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. A tout de suite.